Pierre-Alain, là, c'est un perroquet. Oui, tout à fait. Et ça a quoi de plus un perroquet par rapport aux autres oiseaux? C'est plus intelligent? Ça, c'est un perroquet gris du Gabon. C'est doté d'une intelligence particulière. Les scientifiques disent qu'ils ont à peu près une capacité intellectuelle d'un enfant de 5 ans. On s'imagine, enfin moi c'est le cliché que j'ai, que le perroquet est un oiseau qui parle. Tous ne parlent pas, mais le gris du Gabon est certainement le meilleur orateur que l'on puisse connaître. Et quand on dit parle, il répète des sons qu'il entend ou il comprend un petit peu? Il utilise complètement les mots à bon escient. Il a vraiment la capacité de créer un vrai lien via la parole avec son complice, oui. Il peut parler à peu près toutes les langues. Cette capacité, il l'a par exemple en français. Voilà, c'est ça. Il a la capacité de produire des sons complexes et des mots. Et puis après, que ce soit du japonais ou du français, il s'adapte ouais. Ouais, complètement. Donc ça fonctionne comme un enfant. Donc ça veut dire qu'il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre, il faut l'entraîner, il faut passer du temps avec lui. Oui, tout à fait. Environ combien de mots? Il y a une moyenne? C'est à peu près 200 mots sur un perroquet gris qui est un peu entraîné déjà. Il faut passer environ combien d'heures minimum par jour avec lui? Il n'y a pas forcément de temps spécifique. Il faut lui consacrer du temps. Déjà, le laisser en liberté, aller lui parler, le caresser. Le sortir dans la maison, c'est vraiment très important. Ça permet à ce qu'il s'épanouisse et qu'il change un petit peu d'air. Il a un comportement assez exclusif avec la personne avec laquelle il passe le plus de temps. Il faut qu'il puisse voir qu'il fait partie à part entière de la famille. Positionner la cage dans un endroit où la famille vit. J'ai entendu dire que certains propriétaires de gris du Gabon, ou en tout cas de perroquets, en leur absence, mettaient la radio ou la télé. Est-ce que c'est recommandé ou... Je pense qu'il faut privilégier le contact avec son perroquet et l'enrichissement de son milieu. Après, je l'ai entendu dire aussi, donc il est possible que ça leur apporte un peu de compagnie. Ça, c'est dingue. C'est un jeu qui existe pour les enfants. Ouais. Et il y a des gris du Gabon qui sont capables de le faire. Avec de l'entraînement, tout à fait, oui. On va sur l'enrichissement de l'environnement, la stimulation. C'est plutôt, on prend son perroquet, on va passer un petit moment de jeu avec lui, comme on ferait avec un enfant. Mmh. Hein. Il y a tout un relationnel qui se fait aussi autour de la friandise. Mmh. Quand il fait bien, ben, on le récompense. Ah, et ça aussi, c'est important. Tout à fait. Est-ce qu'il vaut mieux en avoir deux ou un seul? Le gris du Gabon dans la nature, c'est un oiseau qui est grégaire, donc il est préférable de les maintenir à deux dans une cage. Ça évite l'ennui, ça évite qu'ils trouvent les journées trop longues quand on est absent. Mais avec tout ce qu'on peut apporter dans leur milieu, dans leur cage, les stimulations, les casse-têtes, les jeux, on peut très bien maintenir un seul oiseau, il n'y a aucun souci. Par contre, ça nécessite qu'on passe un petit peu de temps avec lui.